Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, nouveauté, comme vous pouvez déjà le voir dans la vidéo, il y a maintenant dans les crates, suite à une mise à jour, des Robits. Donc nous avons un total de Robits de alors 8 x 4, 32, 8 et 8, 16, 16, 16, 32, c'est pas ça. 3360 Robits dans la truc là. Ce qui est un petit chiffre, mais tout à fait correct pour une crate qui est de catégorie. Pardon, c'était une Rusty, donc c'était une rouillée. Hein. Donc, pour moi, c'est plus que. Plus que propre finalement. Donc on va essayer de partir avec. D'accord, okay, vous voyez que là il y a encore des problèmes dans le jeu. Hein. Bref, là n'est pas la question. On va partir avec un robot. Un robot ménager. Peut-être pas ça. Peut-être pas ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on... Oh, un petit snipe, ça fait longtemps qu'on n'a pas snipé dans le jeu. On va partir, alors il y a aussi eu, comme vous pouvez le voir, apparemment une amélioration légère, je pensais que ça se verrait un peu plus que ça, finalement non. Il y a eu une amélioration légère normalement des serveurs pour améliorer les parties perso, on verra si c'est le cas en live ensemble, donc le dimanche. Mais c'était déjà pas top la dernière fois, on en a fait que deux, on a eu du mal à les lancer, tout ça, c'était un peu nul. Mais certains d'entre vous trouvent que je rage beaucoup sur le jeu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, chacune de ces mises à jour qui sont sorties et très mal de manière très très mal amenée en fait, simplement. C'est-à-dire que les nouveaux objets étaient souvent OP par rapport aux autres, mais alors vraiment complètement. Hein. Les nouvelles features, soit on n'arrivait pas à les utiliser, soit elles buggaient à la sortie, soit elles faisaient crasher les serves, soit elles créaient des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes à chaque mise à jour. Et malgré tout, chez Free Jam, ils ont continué à nous balancer des mises à jour, soit incomplètes, soit pas abouties. D'où les multiples remaniements du jeu, déjà, de base. Donc bon, c'est ça, surtout pour ça, en fait, que j'ai un problème, finalement. C'est avec le fait que beaucoup de mises à jour de chez Free Jam ne soient pas véritablement abouties au moment de leur sortie. Je sais pas si je peux me mettre là. J'ai pas joué trop snipe sur cette mise à jour. Ok, j'aimerais bien que mon pote y aille, mais apparemment il y va pas. Tu me diras, il va peut-être pas y aller pour plaisir de se faire défoncer. Voilà, bonjour. Tu peux éviter de reculer. Mais putain, mais dégage, tu sers vraiment à rien, toi, c'est pas possible. Ah putain. Oh là, j'ai plus d'énergie. Ok. On m'appelle le lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Wow, 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 wow. Comment ils ont fait pour pas nous... Il y a un de leurs potes derrière moi en train de me... Tu pourrais pas... Oh là 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 là, mais on n'est pas aidé, hein. Pas possible. Ok, on a une équipe de bras cassés, ce n'est pas grave. Il est sympa son robot à lui quand même, hein. Il est vachement solide finalement. Après mon sniper n'est peut-être plus à jour non plus, hein, faut le dire aussi. Hein. M'avait conseillé les plasmas, peut-être que je vais partir sur des plasmas. On verra. J'ai rien à mettre en position de snipe pour éviter tout problème, mais là, bah là ils vont se faire rec, ils sont à 3. Ça sert à rien d'y aller maintenant. Bien. Oh là là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ok. Il
Bien, notre pote est mort apparemment sur place. Merde. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Mais putain, mais tu sers à rien! J'ai besoin d'une frontline! Alors, il faudra que vous bougiez les fesses. Bougiez. Boum! Crac. En plus, je suis lent avec ces. T'es sérieux là en termes de texture et de zoom? Ok. Voilà. Je peux avoir un coup de main? Oh mais non, mais si tu fais pas de dégâts du tout, ça sert strictement à rien d'être heal. Ok, bon bah laisse tomber. C'est dommage, c'est dommage. C'est sympa visuellement ça, dis donc. Ouais. Visuellement ça claque, hein. Mais bon, on va pas gagner, hein. Le problème c'est que voilà, il se fait que ça, il fait que sauter sur l'adversaire. Puis en plus ils ont un snipe. Un snipe que je ne vois pas. Mais c'est génial hein, c'est... Mais non, mais arrête tes conneries, je te vois pas, tu peux pas me voir. Non, 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 là ça c'est dégueulasse. Ça c'est absolument dégueulasse. Comment lui me voit si je ne peux pas le voir? Mais alors là, là, là je suis désolé. Ah si, c'est parce qu'ils doivent avoir un truc fonctionnel là, vous savez les... Bon bah hop, on peut se rendre là, c'est mort. Voilà, hop, bon bah tant pis. Mais c'est vrai que c'est pas bête comme principe. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Faudrait qu'on y réfléchisse, peut-être qu'on peut se faire un petit snipe sympa. Peut-être qu'on peut se faire un petit sniper sympa là pour le coup. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Allons voir ce qu'on peut faire. Allons voir ce qu'on peut faire. Nouveau robot. Crac. Modifiez votre robot. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a en termes de snipe. On en a qu'un. Ça m'emmerde un peu. Il m'en faudrait minimum... Je crois que c'est 5, la vitesse... On va en prendre 6, c'est pas grave. Ah, de quoi en avoir 6. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, on va prendre ça. Maintenant, c'est les entretoises qui vont m'intéresser. Voilà. Crac. Ok, on est bon. Bon, construction. Construction, construction. Sur une base de 3. Voilà. Je vais avoir besoin de cette entretoise là, du coup. Ok. Ok, pourquoi pas. C'est pas grave. Ok. Alors, réfléchissons, réfléchissons. Crac. Parfait. Hop.
Pourquoi pas. Alors, donc l'objectif actuel, ce serait de faire un sniper. Là, vous vous demandez, ça part, vous dites sans doute, ça part déjà assez mal pour un snipe. Marcus, tu fais un truc qui ressemble à plutôt à un piranha. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais, dans ce piranha, j'aimerais tenter des choses, des expériences, si je puis dire. Voilà. Du coup, oui, d'accord, ok. Là, ça, c'est les gauches que j'ai prises. Il va falloir, du coup, des droites ici. Voilà. Question. Est-ce que je peux mettre des grands snipes comme ça, ici? Voilà. Ça va être de la recherche, hein. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Cependant, je pense que ici, je pourrais. Je vais en mettre un troisième par principe de... Vous allez comprendre très très vite, de toute façon, ça va pas être très très dur la recherche que je vais faire là-dessus. Hop, et en bas, à leur tour. Voilà, crac, arme, est-ce que je peux en mettre une en bas? Oui, est-ce que je peux en mettre une en haut? Oui. Ce qui me fait déjà 4 armes, on est d'accord. Donc, une fois que j'ai ça. Réfléchissons, réfléchissons. Comment nous pourrions nous en occuper? Réflexionnons. Réflexionnons, réflexionnons. Ça fait quoi comme forme? Une forme droite, ok. Ah, ça m'intéresse bien plus. Ok. Pourquoi pas? Essayons ça. Essayons ça. Du coup, ça va peut-être nous déséquilibrer un petit peu, mais on verra. On verra ce qu'on peut faire avec ça. Crac. Ok. Ok. C'était pas gagné. C'est pas gagné comme construction, hein. Autant vous le dire tout de suite. Ce qu'on peut peut-être faire, vu que ça fait très 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 longtemps qu'on en a pas utilisé non plus. Ça va être ici. Est-ce que je peux t'avancer un petit peu? Ça te dérange pas, Simone? Voilà. Ah bah par contre là tu veux plus les avoir. Ok. Hop. Ok. Ok, parfait. Toi, je te supprime. Ok. Avec ça. Ok. Voilà. Est-ce que je peux en mettre une dernière ou pas? Non. Ok. Donc voilà le principe, entre guillemets, si je puis dire, d'armure que je vais avoir.
Ok, et donc là je supprime ça, je place, merde c'est pas le bon. Ça veut dire que je peux pas en placer un ici non plus. Je suis con, je vais placer un normal, bah oui je vais placer un normal, enfin comme ça, pardon. Bah justement pas un normal. Pourquoi je veux absolument placer un normal? Ok, à l'intérieur, on continue le même principe. Il commence du coup normalement déjà à rentrer en contact. Voilà. Ce qui devrait solidifier un maximum tout ça. Tout est relatif. Souvenez-vous de cette phrase. Tout est relatif. Je vais donc pas pouvoir aller plus loin. Voilà qui m'emmerde un peu. Du coup. Bien reconnaître que là. Ah puis je suis vraiment coincé hein. Ok. Ok, ok. Je teste hein, je teste des choses. Ok. Partout où je peux mettre des cubes, je pense que je vais devoir en mettre par principe. Et là, je peux pas. Ce qui du coup m'empêche d'aller plus loin. Ok. Bon, je pense qu'on peut déjà se faire un petit testouille. Une fois qu'on aura rebouché tout ça. Est-ce que tu marches correctement déjà ? Certains cubes ne sont pas connectés. QA. Port QA. Oh, effectivement, il manque un bout, comme qui dirait. Hein, c'est parce que j'en ai plus qu'une, c'est ça? Non, mais non, même pas. C'est que ce bordel. Voilà, c'est bon, là. Tu te calmes, Johanna. Voilà. Est-ce que tu te déplaces correctement, robot? Ouais, il y a correctement et correctement, effectivement, je confirme. Là, il rampe un peu, le machin, hein, je veux pas dire, hein, mais... L'escargot, qu'on va l'appeler, hein, l'escargot qui se déplace vite. Pourquoi pas? Donc, drôle de position, drôle de forme. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup. Hop. Augmentation du poids nécessaire à l'arrière. Hein. On va devoir s'occuper de ça. Question, est-ce que du coup je ne pourrais pas, imaginons. Ah, je voulais garder ça, mais... Crac. Voilà. Garder tout le principe du robot. Merde. Rends comme ça. Et donc je referme le cul du robot. Ah, c'est pas la bonne. Ah, c'est bon. Ah ah! Mon dieu! Voilà, c'est bon. Crac. C'est soit un escargot, soit un teckel, hein, ça dépend. Vous faites comme vous voulez, vous le voyez exactement comme vous voulez. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je me fais chier. Pourquoi tu... Ah, parce que j'en ai plus! Effectivement, c'est un problème. Je confirme. J'en ai peut-être une petite, non? Mal à mon porte-monnaie, mais c'est pas grave. C'est pas comme si ça allait être forcément utile non plus. Hop.
pourquoi pas. C'est une idée. Why not? Après tout, si on veut que ça ressemble à quelque chose, autant le forcer à ressembler à quelque chose. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'ici, du coup, ça pue un peu du cul, quoi. Crac. Normalement, j'ai des cubes comme ça, voilà. Crac. Voilà, ok, bon, très bien. Il n'y a plus les cubes en plomb, on est d'accord. Pendant un temps, il y a eu des cubes en plomb, chers amis. Des cubes qui étaient faits exprès pour rajouter du poids. D'ailleurs, ça pourrait être une idée d'en rajouter des cubes... Peut-être pas ici, mais ne serait-ce que des cubes d'hélium, il n'y en a plus non plus de ces trucs-là. Ah ah, si, il y en a. Il y en a. Est-ce que j'en ai pris suffisamment? Je crois pas, il m'en faudrait 9. J'en ai 10, ah je crois que j'en avais pris que 6. Voilà. Voilà. Pour l'aspect visuel. Voilà. Voilà. Crac. Bon, plutôt un insecte qu'un catéquel, hein, je pense, clairement, là, maintenant. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est... Hop. Crac. Du coup, j'avais réclamé de la puissance, on va en rajouter. Ça, ça ressemble à ça. Voilà, la queue du teckel. Ou du lapin, ou je sais pas, la crotte de l'insecte peut-être. Oui, je veux quand même le verrouiller, hein, ne serait-ce que pour protéger le truc, hein. Comprenez que ça reste une pièce importante. Ça, ça passera pas. Ça, ça passe. Ok. Ok. Que passo? Que passo? Ah merde, je l'avais. Là, voilà. Ok. Voilà. Pourquoi je me suis fait chier? Je vous le demande. Ok. Voilà. Et ça, c'est bon. Bien sûr, vous aurez compris que c'est pas le fait pour être le robot le plus joli du monde, hein, visuellement. Bien que, sauf qu'il ait un certain style. Non, pas vraiment, non, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Ok, bon, ça c'est fait. Tiens, par principe. Sait-on jamais, il pourrait nous arriver des bricoles. Que je peux pas rajouter une gigantesque du coup. Les gigantesques elles passeront pas. Ok. Et celle d'en dessous. Celle d'en dessous passerait. Hein. Dommage que l'autre passe pas. Faudrait que je puisse en mettre 2. Et là, du coup ça fait un peu cheap, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on verra bien ce que ça peut donner. On verra bien. Crac. D'ailleurs, ici, en parlant de données. D'accord. En parlant de données, je peux déjà aller me faire entuber. C'est un peu ça, hein.
Ok. Ok, c'est bon. Voilà. Alors, comment tu te déplaces maintenant? Est-ce que ça y est, tu te déplaces dans la... Bah oui. Putain, mais c'est bon ça. Ok. D'accord. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Ok, donc on commence à avoir un robot qui se déplace pas si mal. Ce qui me fait penser que sur le précédent épisode de construction, je voulais rajouter de la musique, mais finalement je l'ai pas fait. Parce que j'ai oublié, hein, je précise, hein, avant que Stan me dise, bah pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce que j'ai oublié. Donc. Eh, ça peut être une idée, ça. Ça peut être une idée, ça. Oh, puis ça fait pile la taille qu'il faut, et c'est un miracle. C'est un miracle. Ok, alors question, si je veux la mettre au centre. Qu'est-ce qui m'en empêche? Si ce n'est ce cube. UC robot insuffisant. Ah merde! Ah, je suis déjà full en termes d'UC? Wouah, j'avais pas vu! J'avais pas vu! Du coup, en fait, je peux fermer tout ça déjà. Je sais bien que c'est insuffisant, mais j'essaye, hein, je fais ce que je peux, hein. Pour toi qui faisais... Qui faisais des pneus. Tu veux toujours pas, hein. Putain, j'ai pas vu l'UC augmenter. Si j'enlève ça... Voilà, là, si j'enlève ça, bizarrement, ça passe, hein, d'un seul coup. Ok, j'essaie de caler ça comme il faut quand même, hein, minimum, hein, faut bien. C'est le taf. Dans cette position-là, ça protégera plus. Techniquement. On va bien voir. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont pas du tout d'accord avec mon choix de souvent utiliser ce bloc. Par contre du coup... Quand je parle de ce bloc en particulier, je parle du bloc de puissance, le module de puissance là. Il n'en reste déjà plus aucun cube. Non, je consomme sur ce robot, c'est pas possible. Ah, nom de là, nom de là, nom de là, nom de là. Oui, une expression de vieux, et alors? J'ai un gros cube, et alors? crac. Essayons de voir ce qu'on peut rajouter pour protéger ce robot. Crac. Why not? Ok. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je rajoute un achat comme ça. Ça fait doublement moche. Cela dit, non, c'est pas si mal en fait. J'ai rien dit. Autant pour moi! Autant pour moi.
Donc je disais ici. Ici, comment je peux protéger la petite ligne à la con là? Cette petite ligne, elle paraît inoffensive, mais en vrai, elle l'est pas. Elle est même, je dirais, mortelle. Pour quiconque osera s'en approcher. Voilà. Protection. Bidon. Y'a que dans ma tête que ça me protégera. C'est pas grave. Ben voilà! En voilà un beau robot! Y'a plus qu'à aller le tester maintenant. Test. Test, test, test. Icule. C'est un cheval de 3. Blague-moi-y. J'ai mis 4 armes. Marcus, depuis le début, ils doivent te gueuler dessus, tes potes. Ok, bon, on va rajouter un tout petit truc, une toute petite arme, du coup. Mais du coup, comment est-ce qu'on la rajoute? Où est-ce qu'on la rajoute? Est-ce qu'on la rajoute? Oui. La réponse, je vous le dis, est oui. Nous la rajoutons et nous la rajouterons. Nous la rajouterons. Sur cette iroquoise. Cette sublime iroquoise. Voilà! La crinière du canasson! Drôle de canasson, cela dit. Hein. Pour le coup, je veux bien le reconnaître. Du coup, canasson, ça a les poils marrons. Hein. Voilà. Une crinière qu'on va lui mettre noire. En parlant de crinière, il faut lui faire les yeux aussi. Voilà. Tellement de beauté dans cette crinière. Voilà. Il aura les boules, les oreilles noires aussi. Bon, il a 5 oreilles, c'est pas grave. C'est pas grave, te dis-je. Les sabots. Voilà. Putain, j'ai oublié la queue. Merde! Comment vais-je faire? Ben, je vais faire 100. Tout simplement. Ok. Je sens que ça va être tellement rapide le décès de ce sniper, mais c'est pas grave. Hein, c'est... En plus, le pire, c'est que je voulais faire un truc avec ce sniper, mais j'ai complètement oublié de le faire. Et pourtant, c'est sur ça que je me suis basé pour le faire à la base. C'était rajouter. Je suis débile. Rajouter, voilà, c'est bon, je débug. Ceci. Et du coup, où est-ce que je peux le rajouter? Parce que c'est censé tourner, ce truc-là. Ah. Oula, le bug complet. Oh, il voulait le passer ici. Il accepte. Ça prend combien de flops, ce truc-là, d'ailleurs, au passage? Combien tu dis? 150. J'en ai pas 150. Merde. Ben voilà, j'ai fini par la trouver, la queue. La queue du robot. Je vais laisser l'espace là. Ou alors je construis des choses. Peut-être ça peut être sympa aussi à l'intérieur. C'est vrai que si on protège pas à l'intérieur, ça peut être... Ça peut aller très très vite, en fait, quand on y pense. Et on veut pas que ça aille trop vite, parce que plus c'est long... C'est bon. Oh putain. Voilà. Plus c'est long, plus c'est bon. On apprendra de le dire à haute voix. Voilà. J'ai pas les cubes en question. Ça ne va plus. Ah bah. Parlant de choses qui ne vont plus. Pourquoi tu veux plus? Ah si, c'est bon, il veut bien. Bon bah tant pis, on va s'arrêter là. Crac. Ça passe. Maintenant, là.
Et là, et là, et là. Ouh, ouh, ouh. Pardon. J'ai craqué mon slip. Ne serait-ce que pour entourer les endroits où ça tient. Vous savez. Hop. Crac. Ok. Ok, voilà. Bon. Peut-être un peu plus solide comme ça, on verra. On verra, on verra. En plus, il a le poil qui brille ou pas. Ok, retour au menu principal. Qu'il est beau. Qu'il est magnifique. C'est un superbe cheval de compète. On y va. On y est, chers amis, donc une nouvelle game avec un robot. Tout ce qu'il y a de plus ridicule. Mais est-ce qu'il va être efficace? Puisque c'est vrai que quand on coupera la tête du cheval, il aura plus d'armes. Et l'intérieur, le reste, est tristement pauvre. Tristement même, je dirais, pas solide du tout. Mais c'est pour la blague, c'est un cheval de 3. C'est... Il piège notre propre équipe, pas l'inverse, pas l'équipe adverse. C'est un choix comme un autre, hein. Il faut accepter de... coupe budgétaire, tout ça, tout ça. Déjà, ils doivent me regarder d'un air... Ouais, je sais, ouais. Ouais, je sais. Ouh, bonjour. Un client. Un client. J'ai oublié de mettre le... Pas beaucoup de charge, hein. Je suis surpris. Pas agréablement, mais surpris. J'ai oublié de mettre le bon système de déplacement, malheureusement. Ok. Et donc ils comptent jouer à cache-cache au niveau des arbres, enfin des trucs en pierre depuis... Enfin pendant toute la game ou... Ah putain, attendez. J'ai une cible ici. Putain, le canasson en caisse. Le canasson en caisse. Le canasson en caisse les coups. Le canasson. Le retour de Canasson! Notre dieu à tous! Le dieu Canasson! Tu devrais laguer encore plus quand je te vise. La sainte dignité Canasson est parmi nous! Bon bah... Oh, quel dommage. Arthul, Arthul, Simon, tu vas te faire agresser. Ah, Canasson en a pris plein la poire, il a pas su encaisser. Pauvre Canasson. Canasson n'a pas su. Canasson n'a pas pu. Mais Canasson pourra de nouveau. Il pourra de nouveau encaisser. Canasson. 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 J'ai pas tourné la tête. Merde.
Canasson, sauve-nous! Canasson nous sauvera de la perdition! Canasson? Canasson! Ah, je pensais que je pouvais mettre la tête. Ah! Canasson! Canasson s'est endormi! Canasson ne peut plus! Canasson est à bout! Boum! Canasson! 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 Ah, raté! Merde! Tant que ça marche, je le répétais, mais. Canasson! Bon, par contre, la solidité des trucs aériens là, des moteurs, est juste absolument incroyable. Ah, t'arrêtes de voler de manière random! Ah bah tiens, ça prendra, tiens. Ah voilà. Ah là, t'as l'air con là. Ah putain. Boum! Dans le soleil! Boum! Oh! Ah! 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 Canasson se fait agresser par une montagne. Qu'est-ce que t'as chié ton. Canasson! Bah merde. Canasson! Fais quelque chose, Canasson! Oui, Canasson! Canasson a fait des choses! Canasson! Canasson ou le robot de l'humiliation? Oh oui. Boum! Canasson a fait un kill! Canasson fait le café! Canasson! Canasson! Ah! Canasson se fait agresser. Oh mon dieu. Canasson! Blah, j'ai pas réussi à m'envoler. Ah, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. J'ai toujours quelques petits trous pour me barrer d'ici. Sauve-moi la peau. La tête a survécu. Ah, Canasson! Tellement de bonheur avec Canasson! Canasson! Bon, je suis en bas dans le score, mais Canasson! Canasson! Merde. 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 Canasson! Boum! Reste pas devant moi, s'il te plaît. Canasson! Ah, j'ai pas eu le temps de le finir. Boum. 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 Ah. Excuse-moi, je cherche l'ennemi, je cherche l'ennemi. Voilà, boum. Boum. Merde, j'ai plus de batterie. Ah, merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. La victime est faite. Canasson. Je te protège de mon corps. T'as vu ça? Je t'ai protégé de mon corps! Canasson est un tank! Canasson vous survivra tous! Canasson fait des kills! Non, je l'ai raté! Canasson! Oh putain! Canasson! Canasson! Comment peux-tu être si puissant, Canasson? Tu es assisté par une équipe de malades mentaux!
Pour une fois que je troll et que je tombe sur une bonne équipe. Oh mon dieu, Canasson se fait agresser. Canasson. Les trois... Oh putain, il y avait un piranha. Ah bah non. Bah non. Il y a eu un abandon. Canasson. Voilà. Voilà. Voilà le Canasson. Canasson qui finit bon dernier. Mais du bon côté de la game. Voilà. C'est Canasson. C'est le bonheur d'avoir Canasson dans votre garage. Je mets Canasson dans le shop. J'annonce Canasson. C'est tout ce que j'ai à dire. Canasson. Je vous garantis pas des victoires. Ce que je vous garantis, c'est du fun. Voilà, c'est tout. Canasson. Canasson. Voilà, je sais pas si ça s'écrit comme ça, j'en ai rien à battre. Marcus Bonus Playroom. Le seul et l'unique Canasson. Voilà. À plus les gens.